Et bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Pamela Anderson, l'ex-actrice et naïade de Baywatch. Pamela Anderson qui vient de se séparer de son cinquième mari. Oui, c'est son cinquième mari qui se trouve être son ancien garde du corps avec lequel elle était mariée depuis un an. Donc c'est Pamela qui a annoncé et elle a demandé le divorce dans son pays, le Canada, où le couple vivait déjà depuis un certain temps, depuis 2020. Quelle est la raison du divorce? Apparemment, d'après des sources proches de Pamela, le monsieur, dont le nom Dan Hayhurst, ne l'aurait pas traité bien, il aurait été méchant avec elle. Ça, c'est littéralement ce qui a été dit, pas dans le communiqué, mais par la personne, la source proche de Pamela Anderson. Ce qui me fait dire qu'à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer. Donc, elle est passée d'un homme plus horrible que l'autre et... C'est toujours Pamela, la victime, Pamela qui serait utilisée par ces mecs-là. Et je trouve ça quand même un peu gros. Je me permets de juger sa vie, peut-être sans savoir ce qui s'y passe, mais quand même, c'est un mariage. Et la plupart de ces mariages se sont passés successivement. Par exemple, elle était mariée à un monsieur qui a d'ailleurs remboursé une partie de ses dettes. C'est un ancien producteur. Ils ont été mariés jusqu'en janvier 2020. Elle a divorcé 12 jours plus tard. Et quelques mois plus tard, elle épousait ce monsieur pour ensuite divorcer. Peut-être qu'à un certain moment, il faut faire un retour sur soi et voir si vraiment le problème ne serait pas soi au lieu des autres. Peut-être qu'elle est à la recherche de quelque chose qu'elle ne trouve pas et qu'éventuellement elle trouvera. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle reste toute seule et pour éventuellement trouver la bonne personne. En même temps, comme je le dis, je me permets de juger parce que je suis sur cette chaîne et c'est une chaîne de cancan. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.